Hello tout le monde, merci beaucoup d'être présent à nouveau sur ma chaîne pour que nous partagions cette sordide histoire. Mais avant ça, il faut s'abonner, il faut liker, il faut commenter. Ceci étant dit, on peut se lancer dans cette terrible affaire. Il existe des mariages heureux, mais il en existe qui tournent au drame sans que personne ne présage quoi que ce soit. Certaines personnes sont tellement diaboliques et fourbes qu'elles arrivent à cacher leur vraie personnalité pendant de nombreuses années. Savons-nous à qui nous avons affaire au quotidien? Connaissons-nous vraiment notre conjoint? C'est le cas de Thomas McCann que nous allons voir aujourd'hui, qui n'a pas hésité à tuer et à démembrer son épouse depuis 24 ans et avec laquelle il a eu 3 enfants. Et pour un mobile choquant et incompréhensible, les faits ont eu lieu en 2020 en Angleterre. Je vous invite à nous plonger dans cette atroce histoire. La sordide affaire de Thomas McCann, c'est tout de suite et maintenant. Thomas McCann est né le 24 juin 1971. Il a 49 ans au moment des faits. Il est chauffeur-livreur de profession. Il est marié depuis novembre 1996 à Yvonne, âgée de 46 ans. Mais ils sont ensemble depuis bien plus longtemps, à peu près 32 ans, car ils se connaissent en réalité depuis l'enfance. Ils vivent ensemble à Stockport, plus exactement dans la rue de Roslave Walk. C'est une ville située au sud de Manchester et ils ont 3 enfants issus de leur mariage. Alors les enfants ont tous la vingtaine au moment des faits. Nous avons le fils aîné qui s'appelle Callum Lawson, la fille Rachel et enfin le dernier qui s'appelle Josh. Alors par contre, j'ai trouvé une photo du fils aîné mais je n'ai trouvé aucune photo de Rachel et de Josh. Nous savons qu'au moment du drame, le couple qui est marié depuis maintenant 24 ans est en crise et Yvonne veut se séparer. En fait, elle a demandé la séparation et elle décide alors de quitter Thomas. Alors Yvonne est décrite par ses enfants et par ses proches comme une maman aimante qui s'occupe bien de ses petits-enfants. Son fils aîné, Callum Lawson, viendra témoigner pour dire que sa mère faisait beaucoup d'activités avec ses petits-enfants. Elle les sortait beaucoup, elle les emmenait au parc jouer avec eux. Il la décrivent aussi comme une personnalité hyper drôle, assez bruyante aussi, elle faisait beaucoup de bruit. Mais ils diront qu'elle avait aussi un cœur en or et qu'elle était très généreuse avec les gens. Le samedi 23 mai 2020, vers 9h du matin, une dispute éclate entre Thomas et Yvonne, qui sera confirmé par un voisin qui a entendu des cris ce matin-là. Il dira même qu'il a tellement été inquiet en fait qu'il a envoyé un SMS à Yvonne pour lui demander si tout allait bien, si elle avait besoin d'aide ou pas. Et là, il dira en fait qu'il a reçu une réponse d'Yvonne. Alors, il sait pas du coup si c'est Yvonne qui a répondu ou son mari, mais en tout cas, il dira qu'il a reçu un message et qu'il lui disait « Tout va bien, je me suis juste disputé avec Thomas pour une histoire de frites. » Et à partir de cet instant, plus personne n'aura de nouvelles de Yvonne McCann. Sa fille Rachel, qui vit avec eux, donc dans la même maison, elle dira que ce matin-là, elle s'est réveillée comme d'habitude. Elle a croisé sa mère dans la maison, à qui elle a dit au revoir avant de partir au travail. Et quand elle est rentrée de sa journée de travail, elle a constaté qu'il n'y avait plus personne à la maison. Elle a essayé de joindre sa mère plusieurs fois, mais elle n'a pas répondu. Le dimanche 24 mai 2020, à l'heure du déjeuner, les enfants du couple organisent un barbecue chez le fils aîné Callum Lawson, auquel Thomas assiste seul. Alors les enfants sont étonnés de ne pas voir leur mère accompagnée de Thomas, donc ils lui demandent pourquoi Yvonne n'est pas là. Et Thomas, pour expliquer l'absence de sa femme, il explique qu'elle est toujours fâchée contre lui et qu'elle n'a pas souhaité assister au barbecue, elle a préféré le laisser y aller tout seul et qu'en fait il ne sait même pas où elle se trouve. En fait, Thomas, après avoir commis son crime et pour donner de la crédibilité au niveau des excuses qu'il avait prévu de donner à ses enfants, il aurait récupéré le téléphone d'Yvonne, avec lequel il aurait envoyé plein de messages aux enfants pour brouiller les pistes. Et dans ces messages, en fait, il se dénigre lui-même, il se rabaisse lui-même, puisqu'il se fait passer pour Yvonne. Et donc, il fait tout ça pour ne pas éveiller les soupçons, hein, bien sûr. Il écrit par exemple dans un texto « Votre père est un idiot, il s'en est pris à moi pour une histoire de frites surgelées. » Donc les enfants, bien sûr, hein, quand ils ont lu ce message-là, ils y ont cru, hein, ils pensaient que c'était vraiment Yvonne qui avait écrit ce texto et qu'elle se plaignait encore une fois de son mari, car apparemment, c'était très
courant en fait qu'ils se disputent tous les deux. Thomas, pour renforcer encore plus son alibi, va aussi envoyer des messages depuis son téléphone à lui vers celui de son épouse, en s'excusant, en lui disant qu'il l'aime, qu'il lui demande le pardon pour ce qu'il lui a dit, etc. Du coup, en fait, quand il donne toutes ces excuses-là aux enfants lors du barbecue, il est crédible, les enfants le croient sur le moment, mais vous verrez qu'il n'y croit pas longtemps. En effet, les enfants remarquent que leur père a un comportement bizarre au barbecue. Il n'arrêtait pas de boire du whisky alors que c'était pas du tout dans ses habitudes de boire de l'alcool. Son fils Callum Lawson a déclaré aussi qu'il avait remarqué que son père n'arrêtait pas de monter toutes les deux minutes aux toilettes à l'étage. Et en fait, par la suite, ils découvriront qu'il montait en fait aux toilettes pour se cacher et envoyer des textos depuis le téléphone d'Yvonne aux gens. Et tout ça, c'était en fait pour se protéger en cas d'interrogatoire. À un moment donné, Thomas, qui est un peu ivre, il a beaucoup bu lors du barbecue, il décide de se diriger vers sa voiture pour quitter la maison de son fils. Sauf qu'à ce moment-là, il est rattrapé par son fils, Callum Lawson, qui lui prend ses clés de voiture et lui interdit de prendre la voiture et de conduire dans cet état parce qu'il était totalement ivre, il n'était pas en état de conduire le véhicule. Et le fils témoignera par la suite qu'il avait senti à ce moment-là que son père avait envie de lui avouer quelque chose, mais qu'il n'a pas osé à ce moment-là. Les enfants, ils ont quand même de gros doutes sur les excuses que leur père donne sur l'absence de leur mère au barbecue. Ils n'y croient pas vraiment. Ils se disent que c'est quand même assez bizarre parce qu'ils n'arrivent pas à joindre leur mère. Ils ont essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais en fait, elle ne répond pas. Donc, ils se disent que c'est quand même assez bizarre. Elle n'est pas non plus au domicile. Personne ne sait où elle est. Donc, à un moment donné, le père, il est tellement ivre qu'il s'endort sur le canapé. Les enfants décident à ce moment-là de fouiller les poches de la veste de leur père. Et là, ils découvrent le téléphone d'Yvonne et ses bagues. Et donc là, évidemment, ils ont compris que quelque chose n'allait pas et qu'il est évident qu'il est arrivé quelque chose à leur mère. Le lundi 25 mai 2020, vers 10h15, soit deux jours après la disparition d'Yvonne, nous sommes un lundi férié en Angleterre. Un homme qui promène son chien contacte la police pour leur indiquer qu'il vient de découvrir des sacs poubelles contenant comme des morceaux de corps humains à l'intérieur, dans le Reddish Vale Country Park à Stockport, mais il n'est pas certain qu'il s'agit de restes humains. La police arrive immédiatement sur place et en effet, elle découvre trois sacs poubelles noirs et quatre autres sacs poubelles également à quelques mètres plus loin dans une autre partie du parc. Et il sera bien confirmé par un pathologiste qu'il s'agit bien de restes humains. Des analyses ADN seront également effectuées sur ces parties de corps qui confirmeront malheureusement qu'il s'agit bien du corps d'Yvonne McCann. Il a aussi été indiqué que malheureusement toutes les parties du corps d'Yvonne McCann n'ont à ce jour pas été entièrement retrouvées. Une enquête pour meurtre est donc immédiatement ouverte et les investigations sont lancées. Quelques heures plus tard, vers 21h14, la police reçoit un appel assez étonnant et il s'agit de Thomas McCann qui les appelle pour signaler la disparition de sa femme. Évidemment, la police, elle soupçonne très fortement Thomas McCann qui est non seulement le mari de la personne disparue de qui on a retrouvé les parties de corps, mais il s'agit aussi de la dernière personne à avoir vu Yvonne McCann vivante. Il est donc à ce moment-là arrêté et emmené en garde à vue pour qu'il s'explique sur la disparition et le meurtre d'Yvonne McCann. Puis il est mis en détention provisoire le temps des investigations et de potentiels aveux de sa part. La sœur de Callum Lawson va contacter son frère ce jour-là pour lui indiquer en fait avoir découvert sur les réseaux sociaux que son père vient d'être arrêté parce qu'il est considéré comme le suspect dans la disparition et la mort de leur mère. Donc la famille là, elle découvre non seulement la mort de leur mère, mais aussi l'arrestation de leur père. C'est un choc total pour la famille. Les enfants, ils avaient évidemment des doutes, mais ils ne savaient pas du tout ce qu'il s'était passé et ils s'imaginaient pas non plus le pire. Alors bien sûr, pendant les interrogatoires, Thomas McCann va nier les faits pendant 4 jours avant de finir par avouer son sordide meurtre. Alors apparemment, l'enquête et les aveux de Thomas démontreront que le sujet de la discorde ce jour-là était que Yvonne a décongelé les frites préférées de Thomas. En fait, elle a sorti le sachet de frites et ne l'a pas remis au congélateur. Et rien que ça, ça l'a mis hors de lui. Il aurait à ce moment-là perdu le contrôle de la situation. Il expliquera qu'il est devenu totalement hystérique et qu'il s'en est pris sauvagement à Yvonne. Il déclare que sa femme se trouvait à ce moment-là dans la salle de bain. Donc il la suit, il lui saute dessus. Il l'étrangle tellement fort jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et une fois morte, apparemment, il aurait laissé le corps de sa femme inerte
inerte au sol pendant à peu près une heure, ne sachant pas quoi faire. Il dira qu'il était totalement paniqué. Et à ce moment-là, il décide donc de démembrer le corps d'Yvonne dans la baignoire. Et il utilisera un couteau et un coupe-arbre pour démembrer le corps de sa femme. Et il mettra ensuite toutes les parties de corps dans 8 sacs poubelles. Une fois cet acte odieux commis, c'est à partir de ce moment-là que Thomas va se constituer un faux alibi et qu'il va commencer à envoyer des messages à ses enfants depuis le téléphone d'Yvonne en se plaignant de son mari. Apparemment, il va aussi envoyer un SMS à sa fille Rachel, se faisant toujours passer pour Yvonne, et dans lequel il écrira « Je suis enceinte, je comptais quitter ton père, je ne sais plus quoi faire, je suis perdue, je n'irai peut-être pas au barbecue de demain. » Il enverra aussi un message depuis le téléphone donc d'Yvonne à l'une de ses amies le lendemain pour lui indiquer qu'elle se trouve à un barbecue familial, alors que c'était totalement faux, puisqu'Yvonne, à ce moment-là, elle était déjà morte et découpée. D'ailleurs, ce message sera découvert par les enfants quand ils vont fouiller les poches de leur père et qu'ils vont trouver le téléphone de leur mère. Ils vont tomber sur ce SMS et c'est à ce moment-là aussi qu'ils soupçonneront fortement leur père d'avoir commis quelque chose parce que ce jour-là, Yvonne n'était pas au barbecue, donc c'était évident qu'il s'était passé quelque chose. Et pendant toute cette mascarade, il sera déclaré que Thomas a continué sa petite vie tranquille. Il a continué à travailler tranquillement, comme si de rien n'était. Il a continué à livrer des plats à emporter. Et d'ailleurs, il en a même livré un à sa fille Rachel. Dans la même journée, il va aussi accompagner sa fille Rachel dans une épicerie pour qu'elle achète quelques produits pour le barbecue. Et elle dira qu'il était tout à fait normal, décontracté, et qu'elle soupçonnait absolument rien à ce moment-là. Pendant l'enquête et les investigations, la police va visionner des images de vidéosurveillance. Et celles-ci vont montrer Thomas en train de charger des sacs poubelles qui semblent très lourds dans le coffre de sa voiture qui est garée dans sa rue à Rousselève Walk, juste avant 15h45 le 23 mai 2020. Environ 20 minutes plus tard, sur les images, on voit le véhicule quitter la rue, puis revenir à 22h47, et puis on voit le véhicule repartir de nouveau. Et peu avant 1h du matin, la voiture est repérée garée sur Blackberry Way, et nous voyons là Thomas McCann en train de prendre les sacs poubelles et de marcher vers Moat Walk Park pour le voir les jeter dans la benne du centre de recyclage de Blackberry. Une autre caméra le montre aussi marcher vers le site où le promeneur a découvert les sacs poubelles avec les restes humains d'Yvonne. Alors, il a aussi été révélé durant l'enquête un fait assez curieux. En juin 2020, alors que Thomas McCann est incarcéré en attendant son procès devant la cour, il aurait envoyé une lettre à une ancienne petite amie du nom de Veronica Campbell, qui est âgée de 40 ans au moment des faits. Nous savons qu'elle est mère de 3 enfants et qu'elle vit à Marple dans le Grand Manchester. Dans sa lettre décousue, alors il prend des nouvelles de Veronica. Il lui demande des choses assez étranges, comme par exemple « As-tu trouvé un vrai homme ?» ou alors qu'il a besoin de parler à une amie. Il lui écrit aussi « J'ai endormi mon Yvonne en mai. J'avais du mal à abandonner les sentiments que j'avais pour elle. » Et il lui avoue aussi avoir assassiné Yvonne car elle fréquentait un autre homme. Il lui fait aussi carrément une confession assez bizarre car il lui explique qu'il regrette d'avoir pris ses distances avec elle quand il venait de la rencontrer, mais qu'il suppose qu'il est trop tard maintenant, et il finit par lui demander comment elle va. Alors Veronica Campbell dira aux médias qu'en effet, elle a rencontré Thomas en 2019, avec lequel elle a eu une aventure pendant 3 mois, et apparemment, il lui aurait assuré qu'il n'était plus du tout avec Yvonne, la mère de ses 3 enfants. Elle le décrit à cette époque comme quelqu'un de doux, de calme, de romantique, car il lui offrait souvent des fleurs. Sauf qu'un jour, elle reçoit un appel d'Yvonne, qui lui propose de la voir chez elle à Stockport 15 jours plus tard, pour la confronter à Thomas, car en fait, elle lui explique que Thomas lui a menti, qu'il lui fait croire qu'il n'est plus avec elle alors que c'est faux, et qu'en fait, il fréquente les 2 femmes au même moment. Alors Veronica, bien sûr, elle accepte le rendez-vous, elle a absolument rien à perdre, et puis elle veut savoir la vérité, donc elle dit ok, et donc 15 jours plus tard, elle se rend à Stockport chez Yvonne. Elle dira que Yvonne, ce jour-là, elle lui a préparé un sandwich et une bière, et puis elle lui annonce que son mari est un menteur, qu'il est malhonnête, qu'il lui fait croire en fait qu'il n'est plus avec elle alors que c'est faux, que c'est pas la première fois, qu'il a déjà eu plein d'autres femmes aussi à qui il a menti et qu'en fait il l'a jamais quitté, il est toujours resté avec Yvonne. Donc Yvonne, pour bien préparer en fait son plan, parce qu'elle veut vraiment confronter son mari, elle veut vraiment le mettre face à ses erreurs, donc elle dit à Veronica de se cacher parce que si Thomas l'aperçoit à l'extérieur donc de la maison, il s'aperçoit qu'elle est là, et eh bien il est capable de fuir au volant de sa camionnette. Thomas
Thomas finit par arriver chez lui, donc il rentre à son domicile. Et là, tout de suite, Yvonne, elle s'approche de lui et elle lui pose une question. Elle lui pose directement la question de but en blanc. C'est elle ou c'est moi? Donc là, il y avait Véronica et Yvonne face à Thomas. Véronica, elle expliquera aux médias que là, s'en est suivi une dispute entre les deux. Ils ont commencé à se hurler l'un sur l'autre. Bref, c'était une embrouille pas possible. Et Véronica, qui elle ne voulait absolument pas de relation compliquée pour elle, elle pensait avoir rencontré quelqu'un de sérieux, célibataire, donc une relation normale en fait. Donc là, elle se rend compte qu'il n'est pas du tout libre, qu'il y a une grosse embrouille entre lui et sa femme. Donc qu'est-ce qu'elle fait? C'est que là, elle les arrête tout de suite et elle leur dit restez ensemble, rompez ou suivez une thérapie. Et apparemment, juste après ça, elle est partie et elle n'a plus jamais recontacté Thomas. Elle avouera avoir été stupéfaite quand elle a appris l'année d'après l'arrestation et l'implication de Thomas dans le meurtre d'Yvonne. Elle ne l'aurait jamais cru capable d'une telle atrocité et qu'en fait c'est carrément Jekyll et Mr. Hyde. Le 30 mars 2021, Thomas McCann plaide coupable de meurtre devant la Cour suprême de Manchester. Il est condamné à la prison à perpétuité avec une peine minimale de 12 ans et 4 mois, au cours de laquelle il ne pourra pas demander sa libération conditionnelle. Au cours de l'audience, évidemment, Thomas s'excusera auprès de ses enfants. Il dira qu'il regrette profondément son geste, qu'il comprend la douleur de ses enfants. Il va demander à ses enfants de lui pardonner en fait ce qu'il a fait, qu'en fait il n'explique pas son geste, qu'il est devenu totalement hystérique ce jour-là, la situation est devenue incontrôlable, qu'il s'est pas vu faire ce qu'il a fait en fait. Et d'ailleurs, même à l'audience, il va se comparer à Hannibal Lecter. Mais la cour, évidemment, ne croira pas ses déclarations de regret, car elle déclara que le fait d'avoir tenté de se débarrasser du corps démembré de son épouse démontre une absence de véritable remords. Callum Lawson, qui va venir témoigner, qui sera totalement ému, il sera sous l'émotion, il dira que sa mère était comme sa meilleure amie, qu'elle a toujours été là pour ses enfants, qu'elle a toujours été là quand il avait besoin d'elle, que c'était une personne heureuse, gentille, toujours présente pour les autres. Elle avait aussi le rôle de nounou, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les enfants de Callum Lawson. Il dira aussi qu'il a eu une dernière fille et malheureusement Yvonne ne connaîtra pas donc sa dernière petite fille. Rachel, qui viendra aussi témoigner, elle dira que quand ils étaient plus jeunes, ils n'ont manqué absolument de rien, que sa mère, elle était c'était une maman à plein temps. Elle leur achetait tout ce dont ils avaient besoin, elle les emmenait dès qu'elle pouvait en vacances à l'étranger, qu'elle adorait aussi mettre de la musique à fond pendant son ménage et que tout ça lui manque aujourd'hui. Depuis l'incarcération du père, bien sûr, la famille, elle est dans la douleur. Elle est aussi partagée entre l'amour qu'elle porte à leur père, mais aussi quand elle se rend compte de l'acte hideux qu'il a osé commettre à leur propre mère. Il a été aussi indiqué qu'apparemment Thomas McCann avait aussi des problèmes mentaux, en fait, parce qu'a priori, il aurait tenté de se suicider quelques années plus tôt. L'enquête a aussi révélé qu'Yvonne aurait trompé son mari, donc Thomas, en 2013, ce qui aurait conduit Thomas à devenir de plus en plus jaloux, à faire des remarques assez désobligeantes et rabaissantes envers Yvonne. Mais Thomas, qui aime profondément sa femme, n'a pas voulu la quitter à la suite de son infidélité. Il a voulu quand même sauver son couple et c'est pourquoi il est resté malgré tout avec elle, malgré la tromperie. Il avait vraiment la conviction que son histoire avec Yvonne pouvait redécoller. Mais malgré tous ses efforts, Yvonne décide quand même de le quitter puisque lors du drame, ils étaient en séparation tous les deux. Callum Lawson va déclarer aussi devant la cour que c'était courant qu'ils se disputent tous les deux, qu'ils se bousculent de temps en temps tous les deux, mais que ça avait jamais dépassé en fait ce stade-là et qu'ils n'avaient jamais entendu en fait de violence physique aussi grave. Certains enfants ont, d'après les informations que j'ai recueillies, pardonné à leur père l'acte qu'il a commis envers leur mère, sauf peut-être le fils aîné qui a encore de l'amertume vis-à-vis de son père. Et d'ailleurs, il dira qu'il est parti rendre visite à son père que 3 fois depuis son incarcération. Un flou subsiste dans cette triste histoire. On ne sait pas si Thomas a décidé de tuer Yvonne car il ne voulait pas qu'elle appartienne à quelqu'un d'autre puisqu'elle voulait le quitter. Donc pour lui, c'était peut-être difficile de l'imaginer avec un autre homme. On ne sait pas, il n'a jamais donné de réponse à cette question. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, vous abonner surtout, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.